Soutenu par le ministre de l'Aéronautique et secondé par Massimi, la TECOER crée sa propre compagnie et décide de frapper l'opinion publique en organisant un événement spectaculaire. C'est le point de départ historique de ce qu'on appellera la ligne. Un rêve enfin devenu réalité. Inédit, l'aéropostale, mythe et réalité, mardi à 20h40 sur Histoire.